Mardi 3 septembre. Une soirée télévisuelle captivante vous attend, offrant une palette diversifiée de divertissements pour tous les téléspectateurs. Des comédies réconfortantes aux documentaires stimulants, le programme de ce soir nous invite à nous détendre, à rire et à découvrir des histoires fascinantes du monde entier. Alors, attrapez votre télécommande, installez-vous confortablement et préparez-vous à être diverti. Au programme de ce soir, le film français profondément émouvant « Les petits mouchoirs », les aventures hilarantes des randonneurs et un documentaire poignant qui explore le conflit en cours en Ukraine. Que vous recherchiez un divertissement léger ou une compréhension plus approfondie de l'actualité, il y a quelque chose de spécial qui vous attend. Explorons ensemble les offres de la soirée. Diffusé ce soir sur W9, « Les petits mouchoirs » est un joyau du cinéma français qui capture magnifiquement la complexité de l'amitié, de l'amour et de la perte. Ce film explore les hauts et les bas des relations humaines avec une sincérité désarmante. Réalisé par Guillaume Canet, le film est devenu un classique moderne, souvent comparé à des films cultes comme « The Big Chill » et « A Fish Called Wanda ». Canet apporte une sensibilité unique à l'histoire, rendant chaque scène mémorable. L'histoire suit un groupe d'amis très soudés, dont les vacances annuelles prennent une tournure inattendue, les forçant à affronter leurs peurs et leurs insécurités les plus profondes. Chaque personnage est confronté à ses propres démons, rendant le récit encore plus captivant. Avec pour toile de fond le cadre pittoresque du Cap Ferret en France, les paysages magnifiques ajoutent une dimension visuelle à l'histoire. Les petits mouchoirs s'enorgueillit d'une distribution d'ensemble exceptionnelle, avec François Cluzet, Marion Cotillard et Benoît Magimel. Le talent de ces acteurs apporte une profondeur incroyable aux personnages. Leurs performances quêtent sont brutes, authentiques et profondément touchantes, capturant les nuances des émotions humaines, entraînant les téléspectateurs dans le tourbillon émotionnel de la vie des personnages. Les spectateurs se retrouvent souvent à rire et à pleurer avec eux. La force du film réside dans sa capacité à équilibrer les moments d'humour, de joie et de profonde tristesse, créant une expérience cinématographique riche en émotions, créant ainsi une expérience cinématographique à la fois accessible et inoubliable. Les petits mouchoirs est plus qu'un simple film. C'est une célébration de la vie, de l'amour et de l'amitié. Ce qui rend « Les petits mouchoirs » si fascinant, c'est son exploration de thèmes universels qui trouvent un écho auprès de tous. Le film nous plonge dans un tourbillon d'émotions, nous faisant rire, pleurer et réfléchir sur nos propres vies. Le film explore la complexité des relations humaines, les défis du vieillissement et les moments de bonheur partagé. Il nous rappelle que chaque interaction, chaque sourire, chaque larme a une signification profonde et l'importance de chérir chaque instant avec ses proches. Les moments simples, comme une promenade ensoleillée ou un repas partagé, deviennent des souvenirs précieux. C'est un rappel que la vie est précieuse et imprévisible et que même face à l'adversité, les liens d'amitié peuvent apporter réconfort et force. Les épreuves que nous traversons ensemble renforcent ces liens et nous aident à grandir. Les petits mouchoirs est un film qui vous accompagne longtemps après le générique de fin. Il laisse une empreinte durable dans nos cœurs et nos esprits, nous incitant à apprécier davantage les personnes qui nous entourent. Son histoire poignante, ses personnages attachants et sa cinématographie époustouflante en font un incontournable pour tous les amateurs de cinéma intelligents et émotionnellement riches. Chaque scène est soigneusement construite pour capturer l'essence des émotions humaines. Alors, réunissez vos amis, servez-vous un verre de vin et préparez-vous à être transporté par la beauté et la profondeur émotionnelle des petits mouchoirs. C'est une expérience cinématographique qui vous touchera profondément et vous rappellera l'importance de l'amour et de l'amitié dans nos vies. Si vous êtes d'humeur plus légère,
branchez-vous sur Randonneur, une comédie hilarante qui vous transportera dans la campagne française. Le film suit les mésaventures d'un groupe de randonneurs amateurs alors qu'ils se lancent dans une randonnée apparemment idyllique à travers des paysages à couper le souffle. Que pourrait-il bien mal tourner ? Alors qu'ils naviguent sur des terrains inconnus, rencontrent des personnages locaux pittoresques et font face à des défis inattendus, la camaraderie du groupe est mise à l'épreuve. Des cartes égarées aux rencontres inattendues, avec la faune sauvage en passant par des quiproquos culturels hilarants, Randonneur est une aventure amusante qui célèbre les joies et les difficultés de sortir de sa zone de confort. Au fond, Randonneur est une ode à l'imprévu et à l'humour que l'on peut trouver dans les petits incidents de la vie. C'est un rappel que parfois, les plus belles aventures sont celles qui ne se déroulent pas comme prévu, et que le voyage est souvent plus important que la destination. Avec son casting attachant, ses paysages pittoresques et son humour contagieux, Randonneur est l'antidote parfait à une journée stressante. Alors, rassemblez votre famille, prenez du pop-corn et préparez-vous à embarquer pour un voyage hilarant à travers la campagne française. Pour les téléspectateurs qui cherchent à mieux comprendre l'actualité, le documentaire de ce soir sur la guerre en Ukraine offre un regard puissant et sans concession sur le conflit en cours. À travers des témoignages directs, des analyses d'experts et des images inédites, le documentaire met en lumière le coût humain de la guerre et la résilience du peuple ukrainien. Le documentaire explore le contexte historique du conflit, retraçant les origines de la crise actuelle et examinant les facteurs géopolitiques complexes en jeu. Il se penche également sur les histoires personnelles de ceux dont la vie a été bouleversée par la guerre, des soldats sur le front aux familles cherchant à se réfugier de la violence. Grâce à ses images fortes et poignantes et à sa narration captivante et immersive, le documentaire vise à susciter l'empathie et la compréhension profonde, encourageant les téléspectateurs à se confronter aux réalités brutales de la guerre et à son impact dévastateur sur les individus, les familles et les communautés entières. C'est un rappel constant que derrière les gros titres et les bulletins d'information, il y a de vraies personnes dont la vie a été brisée par le conflit, des histoires humaines souvent oubliées. Regarder ce documentaire n'est pas toujours facile, car il expose des vérités dures et inconfortables, mais c'est un visionnage essentiel pour quiconque cherche à comprendre les complexités de la guerre en Ukraine et ses implications mondiales. C'est un rappel puissant de l'importance de la paix, de la diplomatie et de la compréhension mutuelle et de la coopération internationale pour résoudre les conflits et prévenir de futures tragédies. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste et équitable où la paix et la solidarité prévalent sur la guerre et la division. La programmation télévisuelle de ce soir offre un éventail diversifié de programmes allant de comédies réconfortantes à des documentaires stimulants, invitant les téléspectateurs à découvrir une variété de genres et de points de vue. Que vous cherchiez à vous évader de la réalité ou à approfondir votre compréhension de l'actualité, il y en a pour tous les goûts en ce mardi soir. Alors, attrapez votre télécommande, installez-vous confortablement et préparez-vous à être diverti, éclairé et ému par le pouvoir du récit. La télévision a le pouvoir de nous transporter dans des mondes différents, de nous présenter de nouveaux points de vue et de susciter des conversations importantes. La programmation de ce soir nous rappelle le pouvoir du récit pour divertir, éclairer et inspirer. Alors, saisissons l'occasion de rire, de pleurer et d'apprendre ensemble en explorant les offres variées de ce mardi soir. Maintenant que vous avez un aperçu de la programmation passionnante qui vous attend, il est temps de vous détendre et de profiter du spectacle. La programmation télévisuelle de ce soir promet une soirée de divertissement, d'éveil et de résonance émotionnelle. Bon visionnage !